Jean-Pascal Lacoste, candidat de la première saison de la Star Academy, n'est pas du tout fan de la chanson d'Anisha, la gagnante de la dernière édition du programme. On vous dit tout. Ce lundi 28 novembre 2022, Jean-Pascal Lacoste a pu prendre la parole lors d'un live Twitch de la chaîne La Bim TV. L'occasion pour le candidat emblématique de la première saison de la Star Academy a pu donner son avis sur Anisha, la gagnante de cette nouvelle édition. Un single qu'il n'apprécie pas. Tout comme les trois autres finalistes de la Star Academy, Anisha a eu droit à une chanson originale écrite par un artiste. C'est Camélia Jordana qui lui a écrit son single de là-haut, qui n'est pas vraiment du goût de Jean-Pascal Lacoste. Où est la corde? A-t-il déclaré au sujet de la chanson avant d'ajouter, tout ce qu'a fait Anisha cesse très bien mais cesse très noir, très triste. Elle ne va pas faire que ça toute sa vie. Visiblement. Il n'apprécie pas l'univers d'Anisha qu'il trouve trop sombre. Moi j'ai l'impression que c'est une dépression totale et constante. Je ne critique pas la personne, c'est une très bonne chanteuse et elle a une histoire mais c'est très dark. L'animateur David Barbet a déclaré que lorsqu'un artiste est bon dans son genre, il faut s'y cantonner. On ne peut pas dire ça, ça fait 3 semaines. Elle n'a pas vendu de disque, faut pas s'emballer non plus. A répliqué Jean-Pascal Lacoste avant de souligner l'importance de la longévité dans ce milieu. Il faut chercher du boulot, on va lui faire un disque, il faut en vendre. Magali Vahe a gagné, elle a fait son disque, et j'ai énormément de respect pour elle, après c'était fini. Donc l'important c'est la durée. Moi je dis ça, je dis rien. Marie-Thel, animatrice radio semble d'accord, avec Jean-Pascal. Cette dernière a déclaré, on est en 2022, le monde ne va pas super bien. On s'est coltiné une nana qui est maniaco-dépressive. Elle a la vingtaine, pendant tout le programme elle a été quasiment inexistante. Elle ne souriait jamais, elle ne parlait jamais à ses camarades, excuse-moi, ça ne me fait pas rêver. Jean-Pascal Lacoste tacle Michael Goldman et Laure Ballon. En ce qui concerne les professeurs de cette nouvelle saison de la Star Academy, Jean-Pascal Lacoste a, une fois de plus, un avis bien tranché à ce sujet. Sur le directeur du château Michael Goldman, voici ce que le célèbre agitateur avait à dire.